Alors, n'écoutant que mon courage, moi, père de famille, je m'élance. Au ciel. Non, pas au ciel. Sur le bord du précipice, je lui tends mon bâton ferré, il s'y cramponne. Je tire, il tire. Je retire, il retire. Et après une lutte insensée, je l'arrache au néant et le ramène à la face du soleil, notre père à tous. C'est admirable. Oh, c'est admirable. Oh, mon ami. Oui, c'est une belle page. Comment vous sentez-vous? Très bien, ne vous inquiétez pas. Non. Laissez-moi seul, sortez tous. Sortez tous. Monsieur Perrichon, vous venez de rendre un fils à sa mère. C'est vrai. Un frère à sa sœur. Et un homme à la société. Les paroles sont impuissantes pour reconnaître un tel service. Il n'y a que le cœur. Entendez-vous? Le cœur. Non, monsieur Daniel. Non, non, Daniel. Laissez-moi vous appeler Daniel. Mais comment donc? Chacun son tour, tu vois. Je commence à croire que j'ai eu tort de lire mon journal. Donnez-moi la main, Daniel. Je vous dois les plus douces émotions de ma vie. Sans moi, vous ne seriez qu'une masse informe et repoussante. Ensevelie sous les frimas, vous me devez tout. Tout, je n'oublierai jamais.